En lien avec le titre de l'ouvrage édité par Fabien Salès, Le bon historien sait faire parler les silences, écoutons à présent 8 nouvelles interventions centrées sur des acteurs qui, volens nolens, ont pris part à ce type de connexion. Interviendront avant la pause prévue à 15h30, interviendront donc Thomas Rotor, qui va nous présenter le projet européen de Briand 1929, sous la direction de Monsieur Verdard. Ensuite, nous écouterons Benjamin Cuc sur les enjeux politiques des équipes nationales sur le Tour de France 1930-1939, sous la direction de Monsieur Cantier. Clément Maury nous présentera son travail sur le diocèse de Pamiers durant les années noires, sous la direction de Monsieur Foreau. Et nous terminerons avant la pause avec Lisa Dubreuil et son sujet sur la culture et Seconde Guerre mondiale, installé au théâtre 1941-1947. Voilà. Donc, soyez bien attentifs durant ces 4 exposés. Réservez des questions aussi à la fin des 4 exposés. Voilà, ça rendra plus vivant. Ça rendra plus vivantes les présentations. Allez, écoutons à présent Thomas Rotor. Alors, bonjour à tous. Alors, sans te mettre en écho, Thomas Rotoré. Est-ce que je suis Rotor? Je ne sais pas. Après cette trêve partie du mot, quoi. Je vais commencer. Je vais donc vous parler du projet européen de Briand de 1929, plus communément appelé Plan Briand. Comme beaucoup le savent, cette histoire commence le 5 septembre 1929. Ce jour-là, à la tribune de la 10e assemblée de la SDN, Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères, se référant aux grands penseurs ayant parlé d'Europe avant lui, ainsi qu'au mouvement européiste, se déclare en faveur de la création d'une Europe fédérale sous l'égide de la SDN. Aux paroles suivent alors les actes. Et le 9 septembre 1929, les différentes délégations des gouvernements européens sont conviées à un déjeuner à l'hôtel de Berg, à Genève, près de la SDN. On y décide de demander au gouvernement français de rédiger un mémorandum expliquant de manière concrète comment se formerait cette Union européenne. Ce mémorandum est envoyé aux différents gouvernements le 1er mai 1930. Les réponses à ce dernier sont ensuite reçues par le gouvernement français jusqu'à l'été 1930. Il est ensuite décidé de créer une commission d'études pour l'Union européenne qui se réunira jusqu'à la mort de son inspirateur, M. Briand, en 1932. J'ai choisi cette image car elle est pleine de sens. On y voit le concepteur de ce projet européen, Aristide Briand. On y voit les différentes nations européennes personnifiées par des femmes guerrières. La France un peu différenciée, car c'est elle qui fait le pays, et ces femmes guerrières déposent des armes, symbolisées par les épées, donc c'est un projet qui se veut pacifique. Mais il se veut aussi économique. Regardez, il y a aussi la mise en commun de la production agricole et de la production industrielle, ainsi que la mise en commun des voies fluviales et maritimes pour le commerce, symbolisées tout en plus. Alors, à ce stade, vous devez vous demander ce qui a pu pousser Briand à tenter un tel projet en 1929. En réalité, cette question me semble contenir 3 questions. Qu'est-ce qui a pu pousser l'homme, en tant que politicien de son époque, à oser tenter ce projet? Donc, ensuite, qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'idée même d'Europe, dans son évolution, lui a permis d'oser ce projet, d'y croire? Et enfin, quel contexte l'a poussé ou lui a permis de tenter ce projet? Je tenterai de répondre à ces 3 questions tout au long de mon exposé. Donc, Aristide Briand est né à Saint-Nazaire en 1862. Il commence sa carrière dans le droit en tant qu'avocat et ensuite démarre une carrière politique en tant que député de la Loire à partir de 1902. Il est bien sûr connu pour son rôle de rapporteur de la loi de séparation de l'Église et l'État en 1905, où, même si on l'avait déjà observé, on le découvre en tant que grand tribun de la Troisième République, grâce à ses discours.
Alors, il est au début proche du syndicalisme radical, il est, puis c'est un politicien socialiste. Alors, c'est un idéaliste, c'est-à-dire que oui, il a des idéaux, mais c'est aussi paradoxalement un pragmatique. Il ne considère pas, il ne croit pas à la théorie du grand soir. Il ne considère pas que une société idéale peut advenir par un coup d'éclat. Il faut y aller petit à petit, compromis par compromis, étape par étape. Il faut parler des problèmes. Voilà. Ensuite, il sera dans le gouvernement de guerre pour la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il sera au ministre des Affaires étrangères de 1921 à 1922 et de 1924 à 1932. Durant ce mandat, il fera en sorte d'essayer de rapprocher l'Allemagne et la France pour qu'elles s'entendent ou qu'au moins elles discutent. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel avec son collègue des affaires étrangères, Gustav Stresemann, en 1928. Alors l'idée d'Europe. Donc revenons-en à cette idée d'Europe. Alors, sans remonter jusqu'à l'Europe de Charlemagne, il est possible de voir des premières traces de pensée européenne au XIXe siècle, dès 1814, avec le philosophe français Saint-Simon, puis en 1849, avec le discours sur les États-Unis d'Europe de Victor Hugo, qui émane en fait de ce qui se passe en 1848 avec les printemps européens. Et en fait, finalement, cette idée reste encore assez, le fait de grands penseurs, ça reste assez utopique, voire même romantique, et ça change à la suite de la Première Guerre mondiale. En effet, de nombreux penseurs, à la suite de cette guerre fratricide et de ses conséquences, constatent un déclin de l'Europe en tant que phare du monde et face à de nouvelles puissances émergentes que sont les États-Unis et le Japon. Sur cette pensée, naissent des mouvements européistes plus concrets. C'est-à-dire qu'ils veulent influencer sur les politiciens et sur les politiques des États, et d'ailleurs font de la propagande auprès de ces derniers. Donc on peut noter la pan-Europe du comte Richard Trudnov Kalergi, un comte autrichien, mais avec d'autres origines, qui, en 1923, crée la pan-Europe. Alors, c'est un mouvement mystique, presque, je dirais ce mot, qui peut être mal interprété, c'est presque civilisationnel. C'est-à-dire qu'il a une vision d'un bloc européen qui doit se construire, car c'est à peu près le sens de l'histoire, puisque des blocs à l'échelle du monde se construisent à côté d'eux, comme le bloc russe, selon lui, et le bloc américain. L'Europe doit se construire en bloc si elle veut être, on va dire, à la page. Il y a aussi des mouvements européistes plus économiques, comme l'Union douanière de Chargy, créée en 1925, ou le Comité français de coopération européenne du mathématicien renommé Émile Borel, en 1927. J'ai mis aussi, ça va peut-être vous choquer, l'Entente internationale de l'acier, qui est soutenue par les hommes d'affaires Émile Mérich et Louis Loucheur. Mais en fait, c'est parce que cette Entente de l'acier, elle vient d'une volonté de faire en sorte que les cartels européens s'unissent à l'échelle de l'Europe. Donc, c'est une volonté de mise en commun de l'espace économique européen. Donc, ça a bien à voir avec l'Europe. Alors, l'historiographie, de manière succincte, les historiens ont eu au début du mal à aborder cette histoire, préférant parler de l'histoire du plan Schuman des années 50. Bien que des ouvrages parlent de cette histoire. Cependant, il me semble qu'il y a deux ouvrages à noter. L'un est la publication de la thèse de Jean-Luc Chabot en 1978, qui est intéressante car, comme son titre l'indique, il fait surtout une histoire des idées. Donc il s'intéresse plus au mouvement européiste. Et il les met en lumière à cette époque. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'on en parle, alors que ce mouvement européiste n'avait pas d'importance dans le champ historiographique par rapport à l'Europe à cette époque. Il y a ensuite, à revers, je dirais presque, l'ouvrage de Jacques Brietti, sorti en 2007 à l'occasion de la question CAPES agrégation, l'idée d'Europe de 1919 à 1992. C'est le résumé d'un colloque sur Aristide Briand, la société des nations, et l'Europe de 1912 à 1932.
et bien ce colloque tend à remettre l'homme politique et le contexte politique au centre de cette histoire. Alors, tenant prétexte du fait de vouloir problématiser un tant soit peu le sujet par rapport au thème qui parle de résonance politique, c'est donc le thème de cet après-midi, je prends le pari de répondre à cette key question, comme on dirait en anglais, qui est « En quoi le projet européen de Briand est-il révélateur des frictions naissantes entre la défense d'intérêts nationaux et la naissance d'une pensée plus internationale ?» Donc, les trois parties, et mes trois parties, c'est les trois parties de mon M1. Mais je vais un peu les tordre pour voir en quoi, à chaque fois, il y a donc du national et de l'international pour un peu coller à ce thème de résonance politique. Donc montrer qu'il y a, du national et de l'international et qu'il y a de la friction entre les deux. Donc, on peut voir par nom, vous devez me demander pourquoi j'ai mis ces images, du coup, j'en réfléchis bien. Ce sont des caricatures d'époque et qui montrent en fait cette friction justement entre le national et l'international. Regardez, ici on voit l'orage des nationalismes inquiétants et Briand protège la République française avec la SDN qui est vraiment plutôt pacifiste, cette pensée internationale pacifiste pour le désarmement et pour la conciliation. Cependant, il est ironique de remarquer que Briand, avec ce parapluie internationaliste, protège une nation contre d'autres nations. Ensuite, il y a cette image montrant, faisant référence à au fait qu'on a appelé Briand le pèlerin de la paix, donc il est conformément comme un berger, hein, quelqu'un de solitaire, avec Wilson, instigateur, celui qui a eu l'idée de la création de la SDN, qui propose ici de un lotissement aimable. C'est agréable, on parle de paix, etc. Mais pour cacher des velléités nationales guerrières. Et d'ailleurs, il critique cette image parce que, regardez, ceux qui y croient, ce sont des moutons. Donc est-ce que ce serait naïf ou presque avec, ou alors est-ce qu'ils auraient derrière pensée? C'est ce que ça peut s'entendre. Donc, les raisons d'unir l'Europe. Excusez-moi. Alors, nous en revenons donc au contexte, avec ce que j'ai nommé prédominance européenne de la France en trompe-l'œil. Qu'est-ce que j'entends par là? Depuis 1919, la France est mise en situation de prépondérance sur le continent européen par le traité de Versailles. Or, cette prépondérance n'est pas réelle car elle dépend de l'application des clauses du traité de Versailles, notamment sur les dettes de guerre payées par l'Allemagne et sur son désarmement. Or, l'Allemagne reste nettement plus peuplée que la France, avec un potentiel industriel plus grand. Et rien dans le traité ne force les Alliés à devoir s'unir pour faire payer l'Allemagne ou lui faire face en cas d'éventuelle revanche. La diplomatie française, et notamment celle de Briand, cherche donc à combler les lacunes du traité de Versailles. Mais les Anglo-Saxons, suspicieux, refusent un traité seulement avec la France, qui serait mal vu outre-Rhin. Donc l'Europe, c'est une manière d'unir les pays, donc qui aurait donc trop à perdre pour faire la guerre. Cependant, vu que l'Europe est sous l'égide de la Société des Nations, ça sous-entend que les clauses du traité de Versailles sont acceptées. Donc la place prédominante de la France reste telle qu'elle. Donc c'est bien une raison nationale, il peut y avoir l'intérêt. Alors, c'est très lié au désarmement, l'intérêt national par rapport au désarmement. C'est le même problème. Les Anglo-Saxons trouvent, après la Première Guerre mondiale, pardon, que l'armée française est toujours trop nombreuse. Et ils veulent accentuer la démobilisation. Mais les Français ne veulent pas se démobiliser sans garantie d'alliance contre l'Allemagne. Ils ne veulent pas, ce qu'ils disent avec leurs mots, se mettre à nu, sans qu'il y ait quelques assurances. Donc, pareil. Si on fait l'Europe, si on construit une Europe en commune en s'alliant avec l'Allemagne et l'Angleterre, on peut se désarmer. On a des garanties. Économiquement, le problème est qu'au sortir de la guerre, pour diverses raisons, la France a une nouvelle production à plus forte valeur ajoutée, ne pouvant être exportée que dans des pays ayant les infrastructures nécessaires. Donc le marché européen devient privilégié par rapport à d'autres marchés. Donc si la France construit une Europe à sa manière, elle peut se débrouiller pour avoir un marché européen facile d'accès pour elle, ce qui l'arrangerait bien. Bien sûr, il y a aussi des raisons internationales. Alors, par exemple, il y a le pacifisme. Avec le souvenir de la génération sacrifiée,
les populations de l'époque poussent pour ce pacifisme. Et on voit bien que s'ils sont d'accord pour cette Europe, c'est bien en ce sens que cette Europe, elle bannerait la guerre pour ces générations futures. Par exemple, aussi, il y a l'européisme. L'européisme est une preuve que le projet européen est international. Puisque l'européisme, comme je vous l'ai expliqué, a une vision mondiale des choses à laquelle, pour s'adapter, l'Europe doit s'unir pour s'adapter à cette situation mondiale. Donc il n'est pas une vision qui dépasse le cadre national. Au niveau de l'économie, le projet européen se propose d'optimiser l'espace européen, les voies de circulation, pour le commerce, de voir ensemble si l'on ne peut pas baisser ou s'accorder sur les droits de douane. Donc il y a une volonté d'optimisation de l'espace européen qui dépasse l'échelle nationale. Pour le désarmement, c'est simple, c'est la guerre entre les nations. Donc c'est international, dépasse les nations. Alors, la réaction de la presse française. La presse de gauche se félicite que la France porte un projet si ambitieux, œuvrant pour bannir la guerre en Europe et favoriser l'entente. Donc là, c'est international. C'est une volonté de dépasser les nations dans un cadre pacifique. Il y a par contre une inquiétude quant à la souveraineté des pays, au maintien des acquis sociaux, et il y a des questions posées sur le versant économique du projet. Donc là, c'est national. On se pose des questions par rapport à des intérêts nationaux et des peuples nationaux. Il y a aussi une critique de l'impérialisme par une certaine presse de gauche. Donc, c'est-à-dire que se constitue un bloc international pour lutter contre d'autres blocs impérialistes internationaux. Donc il y a une vision internationale. La presse centriste, elle, salue le projet pour ses considérations économiques, notamment douanières, et pour le rapprochement que cela ferait avec le marché du Royaume-Uni et de son empire. Mais, cependant, elle est plus réservée en ce qui concerne les aspects politiques du projet, notamment pour des raisons de souveraineté. Donc là aussi, il y a de l'international et du national. La presse de droite voit d'un bon œil l'union économique et est fière que la France porte le projet, et par contre voit d'un mauvais œil que l'union politique européenne soit politique. Elle n'y croit pas. Alors voici les caricatures. Ensuite, la réalisation concrète du plan. Alors, il y a un côté national. Par exemple, dans le mémorandum, on voit l'assurance vis-à-vis des souverainetés. On assure aux autres pays qu'on respectera la souveraineté. Il y a des réponses des gouvernements au mémorandum qui, eux, ne voient, n'acceptent dans le projet européen que ce qui est en faveur de leur intérêt. Et il y a l'assurance que le projet n'est pas impérialiste. Sur le volet international, le gouvernement insiste pendant la confection du mémorandum sur le fait que l'Europe est plus politique qu'économique, car le volet politique ne dérange pas les Américains, mais le volet économique les dérange, car ils pourraient voir l'Europe comme un concurrent. Donc il y a bien cette espèce d'échiquier international en dessous. Ensuite, toujours sur le volet international, les Français insistent bien que cette Europe se fera sous la SDN, et donc elle partagera les mêmes idéaux internationales, pacifistes et pacifistes. En conclusion, je dirais que le plan Briand est révélateur du fait que même si une pensée plus internationale prend de l'ampleur durant l'entre-deux-guerres, la politique reste encore le fait des nations, de leurs rapports, leurs conflits et leurs alliances. Dans cet esprit, on invoquera le patriotisme politique pour promouvoir le Tour de France à ses débuts, à cette époque. Benjamin vous parlera plus amplement de cela. Pour ma part, en M1, je suis resté sous-centré sur l'année 1929 et je compte donc poursuivre mes recherches sur la genèse du plan depuis 1924 et sur sa continuation jusqu'en 1932. Je suis à ce titre allé aux archives de la SDN à Genève. Voilà ma bibliographie. Le petit badge sympa qu'on vous donne pour ne pas qu'on vous regarde, qu'on vous laisse vadrouiller dans le palais des nations. Voilà. Vous prouvez que vous êtes bien allé aux archives. Donc après cet exposé brillant sur ce projet européen, chevauchant à présent nos bicyclettes.
Et écoutons Benjamin Cuc vous présenter son travail sur les enjeux politiques des équipes nationales sur le Tour de France 1930-1939. Bonjour à tous. Je remercie Thomas pour cette transition. Donc, nous quittons la construction d'un projet européen pour s'intéresser à la raisonnement politique dans le cadre du sport. Ici, le Tour de France, qui a pour son nouveau modèle en 1930 les équipes nationales, devient davantage un objet politique, que ce soit sur le plan national ou le plan international. Donc, mon sujet, moi, d'étude, a été donc, les enjeux sportifs d'un spectacle sportif, enfin, les enjeux historiques d'un spectacle sportif dans le Tour de France des années 30 à 39, et de montrer en quoi une course cycliste a pu être l'objet tant politique que culturel. Ici, nous allons nous intéresser essentiellement à l'aspect politique, et nous prendrons plusieurs regards. J'ai prévu de vous faire voir sous le prisme du communisme et du socialisme, qui ont tous deux un regard assez différent sur le Tour de France, et de prendre l'exemple du fascisme italien qui va utiliser le Tour de France pour promouvoir sa doctrine à la fin des années 30. Je vais vous faire un petit rappel historique du Tour de France et de toute sa conception, et du pourquoi nous en sommes arrivés aux équipes nationales. Tout d'abord, le Tour de France, la création du journal L'Auto, qui a pour directeur Henri Desgranges, ici présent, et comme trésorier Victor Godet. Ils sont à la fondation du journal en 1900, qui s'appelle à l'époque l'Autovélo, et qui est la création du comte Albert de Dieu. En 1903, nous avons la création du premier Tour de France. C'est aussi une année marquante, puisque c'est là où l'appellation vélo est perdue dans le titre du journal, et il deviendra simplement l'Auto. L'idée du Tour de France vient de Géo Lefebvre, journaliste à l'Autovélo, qui a l'idée de faire une course qui ferait le Tour de la France. De cette idée donc est né le premier Tour de France qui partira aux abords et au pied des locaux de l'Autovélo. Et il faut aussi noter que Henri Desgranges et Victor Godet ne sont pas anodins dans le monde du cyclisme français du début du XXe siècle, puisqu'ils sont administrateurs du Parc des Princes, mais aussi les constructeurs du Vélodrome d'hiver, puis du Vélib. Ils en seront d'ailleurs les administrateurs, et ce jusqu'à office de Victor Godet. Il aussi a noté que derrière ce duo se cache un troisième membre de l'ombre. Il s'agit de Jacques Godet, qui est le fils de Victor Godet. Il rejoint donc le journal en 1920 à la mort de son père et va devenir en fait le disciple d'Henri Desgranges. Celui-ci va le considérer comme un père spirituel et va avoir un plus grand intérêt pour le journal que l'aura son frère, qui lui en est devenu trésorier et qui va plus s'intéresser à dilapider la fortune. En 1931, il devient donc le directeur du journal L'Auto et va remplacer en 1936 Desgranges à la tête du Tour de France lorsque celui-ci va être malade. Mais nous allons retourner aussi maintenant à la condition de la fin des années 20 et ainsi pourquoi le Tour de France va drastiquement changer. Il faut savoir que le Tour de France à la fin des années 20 va mal et que l'idée d'un changement de la formule va venir du tennis et de la victoire des Français dans la Coupe Davis. En effet, depuis 1924, les Français vont gagner 5 fois la compétition. Et ce que va observer Desgranges, c'est qu'à chaque victoire de l'équipe de France en Coupe Davis, les ventes du journal vont bondir drastiquement le lendemain. De là, il prend l'idée que passer sous un modèle d'équipe nationale peut être assez intéressant pour ne serait-ce que faire vendre et avoir du soutien du public. L'autre intérêt et l'autre passage en fait, de pourquoi nous sommes passés aux équipes nationales vient d'un grand problème qu'il y a dans le Tour de France à partir des années 1911, c'est-à-dire qu'il y a un manque de victoires françaises. En effet, entre 1911 et 1929, nous avons juste deux seules victoires françaises, donc en 1911 avec Gustave Garrigou, et en 1923 avec Henri Pélissier. Chose encore plus marquante, alors que les Français arrivaient à accrocher ne serait-ce que le podium depuis le début de la compétition, entre 1924 et 1929, nous observons que seul André Leduc arrive à faire un podium en 1928. Pourquoi les Français, maintenant, sont moins marquants? Sont-ils moins bons? Ce n'est point le cas. En effet, en fait, ce qui va énerver Desgranges à partir de la moitié des années 1920, c'est que le système d'équipe professionnelle va cadenasser de plus en plus la course. Et la course qui va donner un effet drastique à ce modèle est le Tour de France de 1929 qui voit la victoire de Maurice de Waal. Il faut savoir que Maurice de Waal gagne la course alors qu'il a été malade depuis le troisième jour de compétition, et ne remporte le Tour de France que par l'aide de ses coéquipiers de l'équipe automoto. Et ce qui fait que derrière, il va en fait énerver Desgranges, qui va considérer qu'on a fait gagner un cadavre cette année-là.
L'autre intérêt aussi de passer en équipe nationale, c'est que comme on le voit, les Français ne sont plus représentés comme leaders des équipes de marque. En effet, André Leduc, qui a la capacité de gagner un Tour de France, n'est que simple équipier dans son équipe. Il en va de même pour Antoine Hamel. Le but donc de passer aux équipes nationales est aussi de faire en sorte que les Français renouent avec la victoire sur le Tour de France. Mais ce passage en équipe nationale, qui sert aussi à faire une effervescence du chauvinisme et du patriotisme, va provoquer l'entrée beaucoup plus importante du Tour de France dans le prisme politique, qu'il soit français ou international. Ainsi, les communistes, dès le début du Tour de France 1930, vont être les premiers à critiquer la nouvelle formule. Ainsi donc, dans la une de l'Humanité du 2 juillet 1930, donc le jour du départ du Tour de France, nous voyons ici que, en sous-titre à l'annonce du départ, pour valider sa formule, Desgranges fera cette année une odieuse exploitation du chauvinisme. Les communistes vont se placer en fait dans un système de critique de l'utilisation du chauvinisme pour faire vendre et pour faire autour du Tour de France, parce que cela va avoir plusieurs conséquences, et dans le sens où l'exaltation de ce chauvinisme va provoquer souvent des incidents entre les supporters français et les coureurs étrangers. Il faut savoir aussi que le passage en équipe nationale va être critiqué pour le fait que certains coureurs ne pourront plus participer ou ne pourront plus avoir de chance de gagner la course. Il en est le cas donc, sur le tableau qu'on a vu d'avant, de Nicolas France, double vainqueur du Tour de France, qui, étant luxembourgeois, n'a pas assez de coéquipiers pour constituer une équipe et donc, se retrouvant d'office seul, n'a aucune espérance de gagner. L'humanité va aussi se servir du Tour de France comme d'une tribune politique et comme un moyen de faire une culture des masses populaires. L'un des exemples que je vais vous montrer est un article du Tour de France 1935, année que l'humanité va choisir pour faire un parallèle entre le parcours de la course et l'histoire des luttes sociales qu'a connue la France. En effet, donc ici nous avons un article qui parle des brûleurs de velues dauphiné, qui sont en fait une anecdote à un système pré-révolutionnaire, où nous avons raconté dans l'article l'histoire de ces paysans de la région du Dauphiné qui se sont montés contre les impôts du roi. Cette histoire est assez connue en plus en France, puisque c'est de là que vient la complainte de Mandrin, célèbre chanson du folklore français. Et il faut aussi noter qu'en 1939, pour fêter les 150 ans de la Révolution française, l'humanité fera aussi un parallèle des histoires de la Révolution et du parcours du Tour de France. L'autre tribune politique qui va être utilisée par les communistes vont être de faire référence à ce qui se passe à l'international. C'est le seul journal français qui va, par exemple, donner une tribune aux coureurs cyclistes espagnols qui sont républicains dans un contexte où l'Espagne est déchirée par la guerre civile entre les soldats franquistes et les soldats républicains. Donc nous avons ici l'image d'une lettre envoyée par un coureur espagnol à l'organe de l'Humanité, qui aura été traduite ensuite, où il raconte la situation actuelle en Espagne. Il faut savoir que l'équipe espagnole, lors du Tour de France, à partir de 1935, est essentiellement composée de coureurs républicains et qui vont se servir du Tour de France pour faire passer le message et pour montrer que l'Espagne républicaine est toujours présente malgré ce qui se passe. Ils sont aussi là pour dénoncer l'attitude de Desgranges, souvent jugée autoritaire, qui est souvent qualifié comme dictateur de course, et pour se aussi porter en porte-à-faux des touristes routiers, qui sont des coureurs individuels qui participent à leurs frais au Tour de France et qui sont considérés par l'humanité comme les ouvriers de la route. D'un autre côté, nous avons les socialistes qui, avec le journal Le Populaire de Paris, qui est le journal d'organe du parti, va aussi suivre la course. Contrairement aux communistes, les socialistes vont être beaucoup moins vindicatifs dans leur une et dans leurs propos en rapport à la course. Par exemple, au départ du Tour de France 1930, ceux-ci ne vont pas faire référence au système Chauvin. Pour autant, celui-ci sera quand même décrié en partie par le journal, même si celui-ci sera aussi jugé coupable d'exaltation et de chauvinisme à outrance. Il est aussi bon de noter que la vision du Populaire de Paris sur le Tour de France va changer à partir de 1936. En effet, avec les élections puis l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, le journal va se placer davantage dans la lutte et dans un rapport avec la course. Ainsi, nous avons dans cette une du 8 juillet 1936, après la première étape du Tour de France, une référence au fait que la voiture du Populaire est suivie et saluée par l'acclamation et le point levé. En effet, cette pratique vient d'Allemagne, elle vient du Parti communiste allemand et a été propagée en France par le Populaire et les socialistes qui vont se servir du Tour de France pour propager largement
la pratique auprès des ouvriers et prolétaires français. Il est aussi à noter qu'ils vont aussi se servir du journal à partir de 36 comme une plus grande tribune politique. En effet, dans l'ordre de l'étape 9 à 10 du tour 36 qui va arriver dans la ville de Nice, ceux-ci vont faire référence au maire fasciste de Nice, Jean Médecin, proche de Doriot, qui est le fondateur du Parti populaire français. Cette tribune où ils vont décrier par rapport aux problèmes qu'il y aurait eu lors de l'arrivée entre admirateurs du fascisme italien, étrangers fascistes italiens et les immigrés italiens qui vivent en France et qui ont fui le fascisme. A noter aussi que l'année 36 voit l'arrivée au pouvoir du Front populaire qui va aussi être un tournant majeur par rapport à la vision du Tour de France et du sport. On pourra noter donc la figure de Léo Lagrange qui va, en tant que premier ministre des sports, développer la culture du loisir. En effet, jusqu'aux années 30, le loisir est considéré comme de l'oisiveté et donc quelque chose de mal vu. Ce passage-là va faire en sorte que le sport soit reconnu comme un loisir et qu'il est donc bon pour les ouvriers de pratiquer du sport. Cette vision va forcément amener plus de monde au bord des routes. L'arrivée aussi des congés payés va augmenter fortement le nombre de personnes présentes sur le bord des routes. Et il est aussi bon de noter que lors des grèves de 1936, les ouvriers en grève ont tous cessé leur grève lors du passage du Tour de France pour pouvoir mettre en place les arrivées et les tribunes. On voit bien que le Tour de France a un rôle et une place totalement à part dans la société, puisque même les grévistes décident de lever les grèves les jours d'arrivée du Tour de France. Bien après, nous allons passer donc à la dernière partie, qui sera celle du fascisme italien, qui donc voit à sa tête Benito Mussolini, qui arrive au pouvoir en 1922 suite à la marche sur Rome, et qui, dans un premier temps, va avoir une aversion pour le sport, surtout pour le sport professionnel. En effet, il est pour une politique de sportif pour améliorer la condition physique et pour faire un renouveau de l'homme italien, et surtout pour que les Italiens soient en forme physiquement pour faire la guerre. Pourtant, les Italiens ont des cyclistes déjà à l'époque, puisque nous avons la figure de Ottavo Buttecchia, coureur cycliste qui va gagner le Tour de France 1924 et 1925. Sa situation est particulière, puisqu'en fait, il est un immigré italien qui vit en France, et donc qui participe dans une équipe française, et qui, bien sûr, ne sera pas pris comme exemple par le fascisme italien à l'époque, puisqu'il est ouvertement antifasciste et a refusé catégoriquement de prendre sa carte au parti. Son histoire s'arrête malheureusement mystérieusement en 1927, puisqu'on le retrouve mort sur le bord de la route. Et les circonstances de sa mort sont assez troublantes, puisque deux personnes ont avoué sur leur lit de mort l'avoir tué, un paysan italien, mais aussi quelqu'un se disant avoir agi sur les ordres du parti fasciste de l'époque. Il faut savoir que son frère est mort deux semaines avant, lui aussi, de conditions mystérieuses. Donc c'est quelque chose à débattre. Mais là où le Tour de France va changer totalement de visage pour les fascistes italiens vient en fait de la non-participation au Tour de France 1936. En effet, suite aux sanctions de la SDN, suite à l'invasion de l'Éthiopie, l'Italie est bannie de la compétition. Ce qui va provoquer l'énervement de Benito Mussolini, qui voudra du coup plus tard que l'Italie vienne gagner le Tour de France pour montrer sa domination. Pour autant, les Italiens ne sont pas mauvais dans le cyclisme, puisqu'entre 1930 et 1935, ils sont toujours sur le podium. Et nous pouvons noter aussi la présence de Raffaele Di Pacco, grand sprinter italien, qui va être le grand rival de Charles Pélissier durant cette période. Mais tout va changer avec l'arrivée d'un jeune champion italien qui s'appelle Gino Bartali. En effet, Bartali, de 34 à 36, va gagner le Grand Prix de la Montagne du Tour d'Italie, mais aussi le Tour d'Italie en 1936 et en 1937. Pour autant, celui-ci est invité donc à participer au Tour de France 37. Il va refuser poliment car il sort d'un Tour d'Italie éprouvant et qu'il est tombé malade d'une pneumonie. Le refus de Bartali va en fait pousser Mussolini à faire une campagne de diffamation dans le journal Il Popolo d'Italia qui va forcer Bartali à participer au Tour de France. Derrière, Bartali donc, va se retrouver obligé de participer à la course, puis va devoir abandonner suite à une chute et à toute perte d'intérêt de gagner au classement général. Ainsi, il se retrouve déçu par rapport à cette situation. Il reviendra en 1938 pour gagner le Tour de France, et lors de sa victoire, il ne félicitera pas l'Italie fasciste ni Mussolini, mais remerciera Dieu. Pour finir, on conclura sur l'arrivée du Tour de France 1939, qui est un tour assez particulier.
En effet, comme vous le voyez sur le parcours, le tracé évite fortement les frontières. La frontière allemande est totalement évitée du fait des tensions internationales qui ont lieu à l'époque. La frontière italienne est elle aussi évitée. Il n'y a aucun passage du Tour de France dans les Alpes et surtout dans les Alpes italiennes. De même, l'Espagne qui se retrouve au sortir de la guerre, la frontière avec les Pyrénées est totalement évitée afin d'éviter tout problème. Ces trois équipes-là d'ailleurs ne participeront pas au Tour de France cette année-là. On ne comptera donc que les Pays-Bas ainsi que le Luxembourg, la Suisse, deux équipes belges, une équipe française et quatre équipes régionales. En effet, c'est le premier tour qui voit arriver le fait de n'avoir que des équipes constituées et plus de coureurs individuels. On voit bien ici que les tensions font que la course et les participants à la course sont totalement modifiés afin d'avoir quand même une course viable et que l'idée de la guerre à travers le Tour de France n'est pas imaginée, puisqu'à la fin du Tour 1939, tous les observateurs du Tour de France se tourneront vers le Tour de 1940 et ça sera la seule question qui sera déjà au bout des lèvres. Or, le Tour de France 1940 n'aura pas lieu puisque en septembre 1939 la France et l'Angleterre vont déclarer la guerre à l'Allemagne et en juin 1940, le 22 juin, sera signé l'armistice. L'occupation allemande et le régime de Vichy vont tous deux réorganiser le Tour de France lors de l'occupation, mais Jacques Godet, seul à la tête du journal et de la course depuis la mort de Desgranges le 16 août 1940, refusera catégoriquement de faire se disputer la course tant que les Allemands seront présents en France. C'est ainsi que je vais vous ouvrir sur la volonté et la politique de Vichy, qui ne se concentre pas que sur le Tour de France, mais aussi sur l'ensemble de la société et un renouveau. Et ainsi, Clément va vous montrer, avec le discours de l'éducation religieuse, et l'exemple du diocèse de Paris. Merci. Cet éclairage au prisme d'une importante manifestation sportive et donc dirigeons-nous à présent en Ariège, plus particulièrement au diocèse de Pamiers. Durant les années noires, travail mené par Clément Mourin, sous la direction de M. Fourreau. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter l'état de mes recherches concernant le diocèse de Pamiers durant les années noires. Travail effectué sous la direction de M. Philippe Fourreau. Donc avant toute chose, je vais essayer de vous localiser l'Ariège. On verra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabuleux endroit. C'est au sud du département haut-garonnais. D'accord ? Ça fait partie de la zone non occupée du Haut-Rhin jusqu'en novembre 1942 et l'arrivée des Allemands. La chose qui va être importante, on en reparlera, c'est surtout la frontière du sud que l'Ariège partage avec l'Espagne et l'Andorre. Le diocèse de Pamiers et le département ariégeois concentrent les mêmes frontières, hormis les paroisses du Quérigut, nombre de sept. Donc avant toute chose, avant de parler de l'éducation religieuse durant les années noires, il semble important d'établir un contexte général concernant l'éducation privée à la fin de la Troisième République. Donc on commencera par parler des lois Ferry de 1881 et 1882 qui chassent pour les religieux dieux de l'école. Alors, ces lois Ferry interdisent et suppriment le catéchisme et interdisent au public, aux prêtres, d'enseigner dans le domaine du public. C'est quelque chose qui va profondément marquer la société religieuse puisqu'en 1927, à Pamiers, le 6 juin, a lieu un congrès qui est présidé par le Mgr Marseillac, évêque de Pamiers, et le général Castelnau, qui est fondateur de la Fédération nationale des catholiques français. Donc on voit bien que ces lois Ferry entraînent une profonde déprise dans le paysage ariégeois, déprise de la religiosité. Mais c'est aussi un territoire qui est acquis aux valeurs républicaines, outre dans le domaine de l'éducation, dans le domaine politique, c'est un territoire qui fait partie des bastions de gauche. Si on considère que depuis le début du XXe siècle, on a une profonde montée de l'athéisme et du laïcisme en France, tout simplement, on voit que les radicaux socialistes prennent et ont le pouvoir durant de nombreuses années. L'Ariège connaît aussi un épisode du Front populaire en 1936, puisque durant ces élections, trois députés ariégeois seront encartés Front populaire. Dernière chose, concernant l'impact politique
sur le nombre de prêtres en Ariège. En 1939, on dénombre 148 prêtres pour 321 paroisses en Ariège. Preuve d'une déprise profonde de la religiosité. Dernière chose, pour venir appuyer cette idée de résonance politique internationale, c'est le phénomène de la retirada, qui en 1936, avec la guerre civile espagnole, pousse de nombreux Espagnols républicains à traverser les frontières pyrénéennes et venir s'installer en Ariège. Concernant l'historiographie, mon mémoire espère s'inscrire dans un courant historiographique qui apparaît durant la fin des années 90. C'est la diocésanisation. Elle est mise en place par Vesna Drapa, qui est une historienne australienne, et qui, dans sa thèse en 1998, excusez mon accent, War and Religion, Catholics in the Church of Occupied Paris, exprime plusieurs choses. En effet, elle caractérise le diocèse comme un espace géographique, mais aussi comme cadre social, où l'Église, corps social et religieux, rentre en résonance avec la société civile qui l'entoure. C'est donc une histoire religieuse à géométrie variable, prenant le diocèse au cas par cas, et surtout une histoire plurielle, prenant l'histoire religieuse comme histoire sociale. Donc, pour présenter rapidement mon sujet de mémoire, je vais vous parler du catholicisme rural et son renouveau par l'enseignement, parce qu'il faut savoir qu'après la désillusion de la drôle de guerre et l'arrivée de Vichy, qui est calqué sur un régime salazariste, alliance du trône et de l'autel sur un régime autoritaire portugais, va trouver sa voie vers la revitalisation de son Église et sa renaissance. On va établir cette présentation autour du projet de son évêque, Monseigneur Marseillac, sa revitalisation dans les séminaires, et voir comment la ville épiscopale, Pamiers, est en proie à un jeu d'influence entre la République défunte et l'association diocésaine. Donc, le projet de Monseigneur Marseillac. Rapide biographie sur ce personnage, qu'on retrouve au centre de l'image, entouré. C'est un personnage qui naît en 1863, à Grenade-sur-Garonne. Il est aux premières loges de la mise en place de la Troisième République, et ça va profondément le marquer, comme l'ensemble du corps religieux qui connaît cette arrivée de la République à la fin du XIXe siècle. C'est un éducateur né, il est séminariste à Toulouse, et on décèle très rapidement chez lui sa capacité à recatholiciser des endroits qui sont en perte de vitesse. Durant entre 1900 et 1916, il va jongler entre différentes activités, mais toujours tourner autour de cette question de l'éducation. Abbé à Seyssel de Lausanne, curé archiprêtre à Villefranche-de-Lauragais, c'est d'ailleurs à Villefranche-de-Lauragais qu'on va voir la genèse de son projet, puisqu'il crée dans cette paroisse en perte de vitesse des associations religieuses pour les femmes, mais aussi pour les jeunes et pour les enfants. En 1916, il succède à Mgr Isard dans le diocèse de Pamiers et restera évêque de 1916 jusqu'en 1947. Ce qui fait de lui l'un des plus longs épiscopats que l'Ariège ait connu au XXe siècle. En 1930, il apporte un sursaut de religiosité dans le département, bien que entravé par la République, il crée en 1932 le petit séminaire de Pamiers. Alors, son projet, c'est donc l'éducation. Une éducation qui passe par la qualité de la prière, mais qui passe aussi par une refréquentation des séminaires. Il dit dans une lettre pastorale apparue en février 40, donc avant le régime de Vichy, dans cette lettre pastorale, page 64, il dit « Prions et faisons prier pour la Sainte Église, pour nos séminaires, dont dépend tout l'avenir de la vie chrétienne du diocèse. » Preuve d'un projet qui est arrivé à maturation lorsqu'on va arriver à l'épisode Vichy. La revitalisation de l'enseignement privé s'opère entre 38 et 1943 de manière exponentielle, puisque la fréquentation augmente. En bleu, les élèves inscrits. En rouge, les élèves présents. On voit très bien que la fréquentation augmente durant cette période. On va analyser quelques cas spéciaux. Déjà en 1938, avant la mise en place de Vichy, et donc l'alliance du trône et de l'autel qu'on observe durant cette période,
nous avons un nombre qui commence à augmenter. Car dans un contexte de peur de la guerre et de peur du complot judéo-bolchevique, peur du rouge, on a une augmentation de la piété en Ariège. Augmentation de la piété en Ariège qui se retranscrit par l'envoi par les familles des jeunes dans les séminaires. Seconde étape, on va être dans les années 1942. Alors là, oui, il y a beaucoup d'absents. Ce n'est pas dû à un abandon de la foi, un abandon de la vocation. Ce différentiel entre les élèves inscrits, qui plus est 52 inscrits, c'est l'un des plus grands totaux qu'on a eu pour cette période. Cette différence entre élèves inscrits et élèves présents, c'est surtout l'explication du lien entre politique vichysoise et diocèse de Paris, et Église, entre religion et État. Puisque les élèves qui sont absents participent aux activités et à l'administration vichysoise. Ils sont soit dans l'armée de l'armistice, soit dans les chantiers de jeunesse, soit dans le service civique rural. Chantier de jeunesse mis en place par le général de la Porte du Teil, qui se veut revitaliser la jeunesse au travail, revitaliser la jeunesse dans un cadre religieux et, on va dire, à sortir d'une oisiveté qui était critiquée durant la République. Donc, c'est aussi le service civique rural, quant à lui, une victoire de la doctrine de Vichy et de l'Église qui glorifie durant la fin des années 30 pour l'Église et durant Vichy la France profonde, la France manuelle, la France qui travaille. Le troisième cas, c'est ce retour des chantiers de jeunesse qui dure environ 6 mois. Et là, on voit qu'il y a très peu d'absents. Alors, les absents que nous avons là, je les ai retranscrits. Alors, vous allez mal voir, c'est les archives sur lesquelles je me suis fondé pour établir ce tableau. Élèves inscrits, élèves présents, les noms de ces élèves, les notes qu'ils ont en qualité, piété, travail, etc. Et surtout, les absents, ils sont référencés. Armée de l'armistice, chantier de jeunesse, rentrée en octobre, et surtout des prisonniers. Donc les deux absents que nous avons dans la dernière étape, ce sont des séminaristes qui ont été emprisonnés. Troisième chose, Pamiers, ville épiscopale, en proie à un jeu d'influence. En 1941, l'association diocésaine veut récupérer le petit séminaire de Pamiers qui était situé avant 1905 au centre de la ville. S'oppose à cette acquisition le conseil municipal. Bien que le conseil municipal avait récupéré gratuitement ses locaux en 1905 après la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'association diocésaine espère sous Vichy récupérer ses locaux. Sauf qu'on a un problème, c'est que le conseil municipal refuse. Alors l'association diocésaine va chercher un appui sur Valerio Valeri, nonce du pape. On a un système typique, lorsque l'association diocésaine est bloquée, on va chercher dans une hiérarchie pyramidale l'échelon au-dessus. Pour l'instant, on est dans un schéma typique de ce qu'on peut retrouver même dans les oppositions durant la République. Sauf que là, on va avoir une troisième personne, un troisième personnage qui va rentrer en ligne de compte et qui va se lier à l'association diocésaine, c'est Vichy. Et là, nous avons clairement ce que nous retrouvons durant l'épisode vichysois, c'est que le conseil municipal n'a plus le pouvoir, n'a plus le dernier mot, puisque l'association diocésaine va envoyer un message expressément au maréchal Pétain pour récupérer ses locaux. Ces locaux sont récupérés en 1942. Le conseil municipal perd la bataille. C'est aussi un local éducatif, revanche de l'Église sur la guerre scolaire qu'elle avait perdue à la fin du 19e siècle. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que le diocèse ariégeois de Pamiers est en perte de vitesse après la guerre scolaire. Entre la République victorieuse, le catholicisme connaît une redistribution des rôles dès le régime de Vichy. Dans un régime salazariste, comme nous l'avons vu, calqué sur le salazarisme, on a clairement un parti pris de la part de Vichy, une administration politique qui tourne le dos aux administrations locales pour se tourner vers un personnel religieux. Suivant la mystique de Gaulle et sa révolution nationale, le diocèse à Paméen voit la possibilité pour lui de se revitaliser. Et c'est ce qu'il fait, on l'a vu dans les séminaires.
menée par un évêque faisant de lui l'enseignement religieux un pionnier de la respiritualisation de l'Ariège, les séminaires recrutent de plus en plus des jeunes hommes issus du milieu rural. Si on regarde les origines de ces jeunes séminaristes qui rentrent au séminaire de Pamiers, pour la plupart, ils sont issus de la Haute-Ariège, sinon de la ville épiscopale. On trouve très peu de séminaristes issus de, on va dire, de la Basse-Ariège. Ils sont issus de familles rurales nombreuses, où on envoie souvent le cadet, le benjamin, pour devenir prêtre. Cette revitalisation est donc quantitative concernant les séminaires, qualitative suivant le souhait de son évêque, mais elle est aussi matérielle puisque des locaux perdus au profit de la loi de 1905 de la séparation sont récupérés en 1942. Cela dit, cette récupération matérielle montre aussi les limites d'influence de l'Église sur le diocèse de Pamiers. Puisque une politique nationale à échelon réduit, on voit que pour récupérer au final en 1942 le petit séminaire, l'association diocésaine doit donner l'hôtel particulier de l'archiprêtre de Foix, doit donner l'hôtel particulier du responsable du séminaire de Pamiers, et l'évêque de Pamiers dit qu'il doit payer une lourde somme pour récupérer ces lieux. Donc, des lieux qui ont été récupérés gratuitement, on doit quand même les repayer en Ariège pour les récupérer. Ce qui prouve surtout, et je terminerai avec ça, c'est qu'il semblerait que lorsque nous nous focalisons à des objets d'études de plus en plus petits, un diocèse, un camp pour le cas de Lisa, la résonance politique se dissout au profit de réalités bien plus pragmatiques. Là, la réalité, pour le petit séminaire de Pamiers, c'est une réalité identitaire, culturelle. L'identité républicaine de l'Ariège continue à entraver une politique de Vichy et la politique religieuse qui veut se revitaliser. Cette culture propre, elle sera mise surtout en valeur par Lisa, lorsqu'elle vous parlera des camps des aspirants. Bon, je vous remercie. Pour ton exposé, restant dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, avec le sujet traité par Lisa Dubreuil, culture et Seconde Guerre mondiale, un stalag au théâtre, 1941-1945. Alors merci Clément pour cette transition. Pour faire un jouet, je vais vous montrer plein de choses. Donc, les interventions précédentes ont montré que les résonances politiques prennent plusieurs formes, à travers le sport, la religion, et tous les champs de la vie culturelle sont impactés par cette évolution sociétale. Et pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, des hommes vont être volontairement coupés du monde, éloignés des débats politiques. C'est 1 800 000 d'entre eux qui ne résideront plus en France, mais qui seront en Allemagne retenus prisonniers. Donc, la question des prisonniers de guerre est assez complexe. D'abord car, suite aux accords franco-allemands du 16 novembre 1940, Vichy se voit devenir la puissance protectrice de ses propres prisonniers. C'est une situation anormale au vu de la Convention de Genève qui stipule qu'une puissance neutre doit être la puissance protectrice des prisonniers. Donc ils ont ainsi un pouvoir d'action qui est beaucoup plus important sur les camps. Donc comme vous le voyez ici, cet extrait du discours de Pétain montre bien l'intention vichysoise d'instrumentaliser ces prisonniers de guerre. Donc, pour les soumettre à l'idéologie de la Révolution nationale. Donc, ils sont exploités par la main-d'œuvre par les Allemands, soumis à la propagande d'État de Vichy, et utilisés pour satisfaire la politique de collaboration entre les deux puissances. Donc, en somme, on peut dire qu'ils sont devenus des objets politiques plus que des hommes politiques, dans le contexte d'une Europe en conflit. Donc, voici un autre extrait du discours, qui est intéressant pour moi, ce qui est mis en avant la présence dans les camps d'activités culturelles et intellectuelles. Donc, pourquoi c'est intéressant pour moi? Car dans ces camps soumis à une propagande pernicieuse, les prisonniers cherchent à tout prix à s'évader, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et c'est dans cette situation que les activités comme le théâtre se débattent.
Donc, pour aborder la question de la culture derrière les barbelés, j'ai choisi le camp des aspirants, donc le stalag 1A. Donc si ce cas est intéressant, c'est parce que les aspirants sont un parfait exemple pour illustrer la politique de Vichy à l'égard des prisonniers de guerre. Dispersés dans tous les coins de l'Allemagne nazie entre les Auflag et les Stalag, vous pouvez voir ici la différence. Ils sont rassemblés par Vichy qui souhaite en faire une élite, qui souhaite créer une université dans le camp, dans la lignée de l'école du Riage, mais seulement cette fois coupée de la réalité de la vie française, donc de possibles influences extérieures. Donc sur le modèle des Auflag, les aspirants ne travaillent pas en commando et donc restent dans le camp, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs études et sur des activités culturelles. Donc la question centrale qui sera au cœur de cette étude est de comprendre l'importance du théâtre, en quoi il est lié à la survie psychologique des prisonniers de guerre. Et pour cela, nous aborderons l'expression artistique, la lutte contre l'ennui et aussi le rôle du théâtre comme maintien d'un certain niveau intellectuel. Donc voici, sous vos yeux ébahis, le stalag 1A. Il est placé, vous pouvez le voir, dans le froid polaire de la Prusse orientale. Et les aspirants écrivent dans plusieurs lettres à leur famille qu'il n'a rien d'amical ou même de chaleureux. Donc comment réussir à lutter contre les difficultés de la vie de captif ? Les choix sont multiples mais complexes. La fuite, au risque de se faire prendre, le chemin jusqu'à la France est un petit peu... la résignation, au risque d'y perdre la vie, ou la survie, si difficile soit-elle. Donc arrivés en 1941, les aspirants ne mettent pas longtemps avant de choisir une solution, l'évasion par l'esprit. Ils développent plusieurs activités, donc les activités universitaires, soutenues par Vichy, les activités sportives, et en dernier lieu, les activités culturelles comme le théâtre. Donc c'est sur le théâtre que nous allons nous attarder. Donc ils montent leur premier spectacle dès 1941. Les rapports envoyés aux familles en France nous apprennent la tenue de pièces en cachette. Néanmoins, le besoin de développer les activités, l'activité théâtrale, les pousse à se déclarer. Donc ce qui engendre la présence de censeurs aux représentations, mais également l'obtention d'un espace alloué au théâtre. C'est à partir de ce moment que le théâtre se développe de manière exponentielle. Donc ces photographies ont toutes été prises en Prusse orientale pendant des représentations. Donc elles nous montrent le degré de perfection et de vraisemblance auquel sont arrivés les aspirants, ce qui nous permet d'en déduire une grande implication des prisonniers dans le fonctionnement du théâtre. Donc cette implication se traduit aussi par des rôles féminins. Donc il faut savoir que les acteurs sont tous des hommes et ne sont pas choisis au hasard. On préférera les plus jeunes, plutôt frêles. Les imberbes seront préférés à la voix encore aiguë. Ils ont une tâche assez difficile, puisque leur rôle est de parfaire la plus grande des illusions de la captivité, c'est-à-dire faire apparaître une femme au milieu d'un camp pour hommes. Donc les rapports du théâtre présents dans les archives mentionnent de manière unanime la qualité du jeu des acteurs, qui séduit les prisonniers comme les gardiens, qui sont parfois même étonnés de la qualité du jeu et de l'illusion. Mais pour que l'illusion soit complète, les acteurs se maquillent, portent des robes, des talons, des chapeaux. Donc comment ont-ils pu accéder à tout ce matériel ? Bien, pourquoi pas le créer ? Donc occupant une demi-baraque et le partageant avec la chapelle, le camp possède deux ateliers. Donc en plus des metteurs en scène et des acteurs, il y a entre 120 et 150 personnes qui travaillent à la création des décors et des costumes. Donc voilà, nous pouvons prendre l'exemple d'une autre pièce qui a été faite dans le camp, qui s'appelle le corsaire. Et vous voyez le réalisme surprenant des décors. Donc il a fallu créer un bateau, donc la pièce Le Corsaire se joue dans un bateau. Donc vous voyez ici la fenêtre penchée, le meuble et aussi la lampe à huile, et bien des morceaux de ferraille et un poteau de barbelé. Voilà. Donc pour obtenir ces résultats, ils utilisent donc la technique du détournement d'objets. Les caisses à biscuits de la Croix-Rouge deviennent des meubles, les poteaux de barbelé des pieds de table, les débris de ferraille des postes de radio, qui ne fonctionnent pas. Et les vieux rideaux deviennent des perruques ou des robes. Vous prenez du carton et des clous, vous aurez des chaussures. Donc c'est ainsi que procèdent les décorateurs et les costumiers pour donner vie aux pièces. Ils s'adonnent à l'esprit de débrouillardise tant vanté et tant mis en avant comme une preuve irréfutable de la capacité des aspirants d'adaptation et à la maîtrise de leur environnement immédiat comme une intelligence hors norme. Donc, alors, effectivement, maintenir le niveau intellectuel est primordial pour ces jeunes hommes, éloignés de tout. Pour certains, c'est un moyen de montrer aux Allemands l'intellect français. Pour d'autres, c'est un moyen de survivre, de rester vif, de rester attentif à leur environnement.
Dans toutes les archives que j'ai pu consulter sur le théâtre des aspirants, ces derniers mettent toujours en avant l'aspect intellectuel du théâtre. Donc d'abord, ils s'attardent sur la qualité des décors, on peut les voir ici. Mais ensuite, ils s'attardent aussi sur comment arriver à créer cet univers, ce réalisme. Puisque souvent la vie derrière les barbelés se dépend souvent de ce qu'on est capable de créer. Ensuite, la qualité du jeu des acteurs est également mise en avant. Les rapports mentionnent notamment des pièces qui s'appellent les rideaux blancs. Ni décor ni costume, elles se concentrent uniquement sur le jeu des acteurs. Donc c'est une petite contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisque effectivement je mets en avant que les aspirants trouvent que les décors montrent leur intelligence et leur manière de se débrouiller. Mais ils accordent aussi une grande importance aux représentations où on ne peut voir que leur jeu, leur manière à eux de s'exprimer. Ils sont tous amateurs, il faut le savoir, ils n'ont jamais fait de théâtre avant, mais ils ont quand même une grande prestance orale, ils sont capables d'apprendre leur texte, et ils arrivent à provoquer de l'émotion chez leurs spectateurs, que ce soit les autres prisonniers ou même les gardiens qui viennent souvent en représentation. Donc c'est une grande fierté pour eux et ils le mettent en avant comme l'état d'un niveau intellectuel particulièrement grand puisqu'ils arrivent à faire du théâtre avec un rien et à savoir provoquer l'émotion sans jamais avoir appris à faire du théâtre. Donc en réalité les deux cohabitent, hein. Il faut savoir que les pièces intellectuelles et les pièces plus légères. On peut même mettre en avant le fait que certains aspirants créent et écrivent eux-mêmes des pièces. Nous avons l'exemple de l'Enchanteur bleu de ciel. C'est une pièce écrite par l'aspirant Ojam dans le camp. Donc ils deviennent dramaturges, acteurs, metteurs en scène, costumiers, ils font tout de A à Z. Et les pièces choisies par les aspirants ne sont pas non plus au hasard et peuvent être divisées en deux catégories, celles censées distraire les prisonniers et celles qui ont comme rôle de les élever intellectuellement. Comme on le dit dans ce rapport, donc la première citation, on essaye par certains spectacles d'atteindre un niveau intellectuel digne du milieu et du moral aspirant. Donc le registre des pièces jouées et mises en scène au Stalag est donc assez hétéroclite. Il serait faux de dire que toutes les pièces sont identifiées comme intellectuelles, certaines ont pour but de distraire et donc d'être drôles, donc pas forcément un grand niveau intellectuel, mais on peut mettre en avant le fait que certaines pièces qui sont jugées comme pas assez intellectuelles sont aussi décriées par la critique, comme on le voit ici, elles ne peuvent être considérées que comme un art de décadence, ce qui n'est pas vraiment très gentil. Voilà ce qui nous prouve que les aspirants accordent une importance à ce qu'ils jouent. L'enjeu, si le théâtre qu'il doit y avoir, c'est d'être véritablement digne d'un certain statut social. C'est pourquoi toutes les étapes et aspects de la production théâtrale sont inspectés, recensés dans les rapports, de la couture au jeu d'acteur, comme pour prouver à qui le demandera que les aspirants n'ont pas attendu passivement dans les camps la libération. Donc pour terminer cette étude, j'aimerais vous parler d'autre chose, donc de tourner dans les commandos. Donc les aspirants ont affublé le théâtre de plusieurs casquettes, celui d'outils intellectuels pour mettre en avant leur statut social, celui d'outils manuels qui leur permet de prouver leur débrouillardise, et celui d'échappatoire mental ou psychologique. Bon, même si certaines fois on peut noter qu'il sert à les échapper physiquement, hein, puisque les décors et les costumes qui sont faits dans le camp servent à s'échapper du camp, les costumes civils. Donc j'ai eu la chance de trouver des belles photographies dans les archives, j'ai aussi trouvé de nombreux témoignages, dont certains qui nous racontent des tournées du camp vers les commandos qui sont aux alentours. Donc ces tournées, ce sont les aspirants qui vont voyager à l'extérieur de leur camp pour aller voir des petits commandos éloignés et offrir à ces prisonniers qui n'ont pas la chance de pouvoir voir du théâtre quotidiennement une pièce de temps en temps. Donc ils offrent vraiment du réconfort à ces prisonniers qui travaillent dans des conditions éreintantes et ils exportent en dehors du camp la qualité du jeu des aspirants, ce qui est aussi un petit lien avec leur niveau intellectuel. Pour ces prisonniers enfermés et forcés à travailler à des millions de kilomètres de la France, s'imaginer Paris pendant 2 heures, marcher dans les rues pavées et même entendre du français est un véritable trésor, voire un cadeau. Et c'est en cela que le théâtre représente un échappatoire, car il offre aux esprits enfermés l'occasion de penser à autre chose que les barbelés. Donc toutes ces interventions qui m'ont précédé, et celles qui suivront après la pause, essayent de mettre en avant des politiques européennes qui se développent, qui se croisent et qui résonnent. Donc, il est ici question d'hommes qui se battent pour exister et dont l'existence politique a disparu. Donc, ils sont tellement utilisés par la propagande de Vichy qu'à leur retour en France, l'accueil qui leur est fait n'est pas vraiment très chaleureux. Au contraire, les Français ont imaginé la captivité française comme une colonie de vacances, comme un camp de repos,
et qui est bien loin des réalités de la France à l'époque de l'occupation, entre ne serait-ce que les rationnements, ou même le marché noir, ou les milices, etc. Donc on voit vraiment une difficulté de faire valoir leur souffrance, et d'autant plus, on les imagine comme des collaborateurs du régime qui n'ont pas résisté, qui ne se sont pas enfuis, malgré la petite tentative de Gaulle de les faire, de montrer comme le front intérieur en Allemagne, de les montrer comme des résistants depuis l'Allemagne. L'image globale des prisonniers est très mauvaise. Et du coup, cette rentrée dans cet univers, dans cette ambiance, il est difficile de mentionner le théâtre, de mentionner tout ce qui a été fait en captivité. Donc certains ressentent même une grande culpabilité au souvenir de ce qu'ils ont accompli, et c'est une vraie difficulté de rentrer dans la vie civile. Notamment parce que certains ont vraiment eu une chance dans la captivité, ce qui est une espèce de double enjeu, puisque la captivité a rassemblé dans des camps des personnages très différents, au passé et au statut social très différent. Donc ce brassage social, ce brassage culturel a permis à certains de vraiment s'élever et d'apprendre plein de choses. Donc c'est difficile de mettre en avant la souffrance et la douleur de l'emprisonnement quand on a eu une occasion d'apprendre des choses, de s'élever, de devenir un intellectuel pour certains. Et donc certains qui ressentent cette culpabilité ont du mal à en parler, ont du mal à s'exprimer, à écrire leur mémoire, à témoigner. Donc ce sentiment de honte poursuivra certains prisonniers pendant longtemps, et ce qui peut expliquer le retard avec lequel l'histoire de la captivité démarre en France. Et c'est une faute de témoignage, vraiment, de témoignage tardif. Du coup, c'est discrètement que cette histoire de la captivité refait son apparition en France. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont en L3 et qui sont intéressés par ce sujet, il y a encore plein de sujets à aborder, donc je mérite qu'on s'y attarde plus longuement. Et c'est ainsi que je terminerai cette bonne étude. Alors, merci pour ces quatre exposés. Nous pouvons passer à présent aux questions. Voilà. Il n'y aura pas de pause café s'il n'y a pas de questions. Bon, j'avais vu. Je peux dire ça. C'est que les deux, pardon. Non, on l'a posé plein. Oui, une question à Thomas d'abord. Mais dans ce grand projet SDN, Construction de la paix, comment situer la politique française de la petite entente? Parce qu'il y a à la fois une diplomatie très à la fois traditionnelle et compréhensible, une alliance militaire avec les Tchèques, une alliance militaire avec les Polonais, etc. Et est-ce que ça paraît contradictoire, complémentaire, par rapport au grand projet de Briand, parce qu'il est l'homme des deux aussi. Il faut voir ça comme... c'est complémentaire, dans le sens... L'image n'est pas très belle, mais il faut voir ça un peu comme pieuvre. Il veut se rapprocher du monde anglo-saxon, il n'y arrive pas, il fait l'alliance avec l'Europe de l'Est, la petite entente, et en même temps, il veut toujours essayer jusqu'au plan Briand-Kellogg, qui est pour lui un échec, hein, on le sait, pour lui un échec, parce qu'il n'est pas arrivé à rallier le monde anglo-saxon avec la France. Donc, pour répondre à la question de manière succincte, c'est supplémentaire. Une question, Benjamin, à propos de Gino Bartali. C'est vrai que c'est un personnage fascinant, parce que lui, il s'affirme vraiment plutôt catholique, assez, bon... il traverse le fascisme, enfin sans zèle particulier, et puis signaler que pendant l'occupation allemande en Italie, il s'entraînait, mais en s'entraînant, il faisait passer des faux papiers pour des juifs, etc. Donc ça a été un personnage... Et il gagne en 1948, c'est-à-dire 10 ans après, effectivement, c'est aussi un personnage. Pour le Ottavio Rodecca, il faudrait... Mais les archives de l'OVRA, de la police politique fasciste, ont peut-être un dossier... Et peut-être que c'est à Rome que l'on a la réponse sur quelles sont les causes exactes de sa mort. Parce que s'il a été volontairement liquidé par le régime, bon, c'est une hypothèse que vous avancez, mais à mon avis, les archives à Rome doivent avoir
peut-être une réponse, parce qu'on ne commandite pas ou on n'organise pas comme ça un tel assassinat. Si, assassinat, il y a lieu. Et concernant le théâtre, en vous écoutant, je pensais aussi au film La Grande Illusion, où l'on voit des prisonniers français, et britanniques d'ailleurs, organiser une pièce de théâtre devant un parterre aussi officiellement. Donc ça, il doit y avoir déjà des résonances durant la Première Guerre mondiale. Le théâtre comme moyen de, oui, de s'évader par l'esprit, disons. Après la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup moins de prisonniers de guerre. Donc ils sont, en rentrant, ils sont vraiment vus comme un cas isolé, ils ont beaucoup de mal à se faire reconnaître comme ayant participé à la guerre. Ouais. Donc déjà ils rentrent dans l'optique de montrer qu'ils ont souffert aussi, qu'eux aussi ont participé à la guerre, même s'ils se sont fait emprisonner assez tôt, etc. Et du coup il y a une lutte dès la Première Guerre mondiale de reconnaissance, mais la Seconde Guerre mondiale est tellement, l'emprisonnement il est tellement global. Il est tellement. Parce qu'il y a après voilà, 1 800 000 soldats qui sont emprisonnés. Du coup, c'est une discussion qui prend une ampleur beaucoup plus grande durant la Seconde Guerre mondiale. François ? Oui, c'était justement à propos des prisonniers de guerre. Mais donc, là, dans le temps des aspirants, donc, il n'y a pas que des Français ? Alors, si. À la base, donc, les Français sont seuls dans le camp. Et ensuite, il y a beaucoup de Russes, mais ils sont séparés, ils n'ont pas le droit de communiquer avec les Russes. Et au fur et à mesure que la guerre avance, il y a ensuite des Anglais et des Italiens. Et pareil, ils sont cloisonnés, en fait, et on n'a pas forcément beaucoup de moyens de communiquer. Surtout avec les Russes, où la communication est interdite, passible de mort, même si, en théorie, ils le mettent pas en pratique, mais ils font des petites menaces comme ça. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de communication entre les nationalités. Il y avait d'autres prisonniers de guerre français qui n'étaient pas dans les camps purs. Ah bah oui, mais du coup, ce problème, en fait, après la guerre, en fait, ils sont regardés un peu de travers parce qu'ils ont été dans le camp d'aspirants. Ah non, ils sont regardés de travers, les prisonniers de guerre. En général. Ah oui, en général. Parce que là, je vous ai montré et j'ai expliqué avec mon étude le cas du camp des aspirants. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu que dans le camp des aspirants qu'il y a eu du théâtre ni des universités. C'est un phénomène qui est pas global, mais qui est assez répandu durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est par ça, en fait, que certains éprouvent une certaine honte à avoir participé au théâtre. Il n'y a pas eu de théâtre dans tous les camps, mais il y en a eu dans assez de camps pour que ce soit un phénomène assez global. Vas-y, sinon, vas-y. J'avais une question pour Benjamin. Est-ce que... Donc entre 1930-1939 apparaissent les premiers sponsors sur le Tour de France. On a déjà des sponsors sur la course, puisque de 1903-1929, c'est des équipes de marques qui sont constituées. Donc les constructeurs de cycles, en fait, ont leur propre équipe sur le Tour de France. Le passage au modèle équipe nationale force la course à assumer le défraiement de tous les coureurs des équipes nationales. Et donc c'est là où on a les prémices de la première caravane publicitaire, qui va, à partir de 1930, passer avant la course pour vanter les mérites de produits industriels. Et après, qui va être rejoint, donc on est à peu près à une dizaine de véhicules en 1930 pour une trentaine, quarantaine à la fin des années 30. Est-ce qu'on a une idée de la somme du financement Alors les primes vont augmenter durant l'année entre 1930 et 1939, puisqu'on a l'apport de sponsors de différents prix, puisqu'on a la création du Grand Prix de la Montagne en 1935, je crois, qui va être sponsorisé par une marque privée. Et de même que, à partir des années 30, les villes vont aussi payer l'hébergement, en fait, de la course en tant que ville arrivée ou ville de départ, ce qui va, du coup, amener des nouveaux revenus, en fait, à la course, qui va, du coup, servir à payer les coureurs et les primes de victoire. Monsieur Borde avait levé le doigt. J'ai deux questions. J'ai une question pour Clément et une question pour Thomas. Peut-être pour commencer par Thomas, effectivement, tu as bien traité Arcy Briand, etc. Et j'aimerais
avoir un peu une idée de est-ce qu'il avait derrière lui des équipes, est-ce qu'il était tout seul. Alors. Et puis deuxième point, toujours sur Cédric, est-ce que comment ça, s'il a une vision un peu individuelle, comment ça s'articule avec d'autres représentations qu'on peut avoir dans le ministère des Affaires étrangères, notamment, est-ce qu'il n'y avait pas aussi encore des gens qui étaient plus proches de la ligne Clémenceau, qui voulaient faire payer l'Allemagne, qui étaient un peu sur cette position-là. Et puis pour Clément, c'était... oui, tu as bien évoqué ce cas-là, effectivement, d'une sorte de... avec le petit séminaire là, d'opportunisme un peu de l'Église pour profiter de la situation de Vichy pour récupérer d'autres choses. Est-ce que tu as des cas, d'autres cas aussi dans en Ariège, où tu as effectivement des revendications, des luttes anciennes du diocèse qui ont pu se retrouver réactivées là par Vichy? Alors, il y a deux questions. Alors, la première, je suis en train de penser. Est-ce que Briand a une équipe? Alors, il travaille avec le ministère des Affaires étrangères et avec la délégation française à la SDN, principalement. Et je vois la délégation française à la SDN plus convaincue par le projet que le ministère des Affaires étrangères, qui lui dit, il y a une citation, il y en a par exemple, durant la maturation du mémorandum, il y a une lettre qui est envoyée par un qui travaille au ministère des Affaires étrangères qui dit il ne voit pas trop l'intérêt de pousser des pays qui n'ont pas envie de faire quelque chose ensemble. Voilà, il y a cette idée que c'est un effort, un coup d'épée dans l'eau. Alors que par contre, il y a des personnages comme René Massili qui sont, ils savent pas qu'ils sont, eux ils y croient, mais ils sont plus convaincus par le projet. Ils veulent vraiment pousser pour essayer d'y arriver, même si c'est inespéré. Alors, pour la deuxième question... Il y a Philippe Berthelot, peut-être, non? Oui, le secrétariat du ministère, qui joue un rôle, non? Berthelot, je ne saurais pas... Ouais, parce que comme il est en 1920 nommé, peut-être que là, dans les années 20, il doit avoir une... Enfin, hypothèse, mais j'en sais rien. Je sais que Herriot, il est d'abord... Mais Berthelot, je ne sais pas. Oui, donc c'est le secrétaire général du ministère, enfin, il y a 10 ans. Bravo. Pour la deuxième question, est-ce que je sais qu'il y a l'accord de tout le gouvernement français dès mars 1929. Il en parle avant avec le gouvernement français. Donc il y a un accord. Je pense que c'est lié à cette espèce de manque à combler des clauses du traité de Versailles. Je crois qu'il y a un intérêt français qui est vu et même si c'est très osé, ça ne marchera sûrement pas, il y a un coup à tenter. Voilà. Les archives ne sont pas assez directes et pas assez parlantes. Je ne peux faire que récolter des faisceaux d'indices, dont celui que le gouvernement accorde sa confiance pour le projet. Mais il n'y a pas de discours qui validerait la pensée de Brian. Concernant les logiques de récupération des locaux par le corps religieux. Durant Vichy, les archives diocésaines en Ariège sont en cours de classement, donc c'est vrai qu'on n'a que la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Ce qu'on sait, ce qui a été avéré, c'est qu'on a ce phénomène de récupération, de volonté de récupération dans d'autres endroits. Et notamment aussi en s'en occuper. Par exemple dans les paroisses autour de Rouen, qu'il y a une volonté à Rouen des religieux de vouloir récupérer certains locaux qu'ils avaient perdus, locaux éducatifs. On a toujours cette idée d'une revanche de la guerre scolaire qui, on va dire, marque les esprits qu'elle est appliquée par la Troisième République. Donc, récupération en Ariège, peut-être, ça c'est un travail qui, une fois les archives dépouillées et classées surtout, ça appelle un travail plus en profondeur sur les archives diocésaines de l'Ariège, quand elles seront accessibles. Sinon, c'est un phénomène qui se réitère sur d'autres endroits, dans d'autres endroits dans la France. Et à nous en occuper aussi. Pour Clément,
Alors, si j'ai bien compris, vous avez fait une opposition entre la haute et la basse Ariège pour le recrutement des séminaristes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que dans l'unité sociale, je ne sais pas. Tout simplement, on a dans le découpage industriel et agricole qu'on a en Ariège, on a un découpage qui est très distinct entre la basse Ariège et à partir du plan Tourelle, qui est l'un des contreforts des Pyrénées. À partir de là, on a une société qui vit principalement d'élevage. Donc des familles très traditionnelles, et c'est d'ailleurs à cet endroit qu'en 1935, le maréchal Pétain va intervenir. Il va venir en Ariège en 1935, où il va exalter le mythe paysan, en Haute-Ariège uniquement. Ça se passe dans un petit village ariégeois qui s'appelle Capoulet-Junac, dont le maire faisait partie de la division, durant la Première Guerre mondiale, du maréchal Pétain. Donc c'est le maréchal Pétain vient inaugurer le monument aux morts, des morts de la Grande Guerre, et en profite pour, même durant les années 30, commencer à exalter le mythe paysan. Donc la Haute-Ariège est le, on va dire, fertile, et le terreau fertile pour l'application de son projet de révolution nationale. Merci. D'autres questions? Des remarques? Des observations? Moi, j'aurais une observation par rapport aux cyclistes qui ont été tués, peut-être, on ne sait pas, par l'origine fasciste. Ça, moi, je voulais juste que ça m'évoque le fait de la Wonder Team, ce qu'on appelait à l'époque la Wonder Team autrichienne. Et les nazis voulaient récupérer les joueurs pour jouer dans l'équipe nazie. Et pareil, par conviction, le capitaine et plein d'autres joueurs n'ont pas voulu. Et le capitaine a été retrouvé mort avec sa femme, je crois, dans son appartement avant la Coupe du Monde. Ça. Il y a une histoire comme ça avec le fascisme et le sport. Donc, prononçons la fin de ce premier épisode. Petite pause au café de 10-15 minutes. Alors, non pas à Capoulet-Junac, mais dans les locaux. Oui, il dit à Stéphane, il dit à Stéphane pour le projet, en disant bon, c'est Jean-Denis.